Yo les gens, que tal, comment allez-vous? Bon, aujourd'hui on va parler d'un thème. Enfin, c'est deux vidéos par jour, mais bon, des fois j'en fais pas pendant quelques jours, vous savez. Les gens, l'hypocrisie, la fausseté. Alors généralement les gens qui sont comme ça, la majeure partie ils sont nés ce qu'on appelle les Verseaux. Voilà. Fin janvier, première quinzaine de février. Finalement, ces gens-là, ils sont assez faux-jetons. Après, il y a des exceptions, ça dépend comment ils ont été élevés, de quelle génération ils sont, mais ça, c'est faux. Il y a un type que je pensais mon ami, en fait, le mec, il me dit ouais. Alors, lui-même, c'est un mec qui prend de la coke, peut-être pas tous les jours, mais et il me sort que c'est. Moi, j'ai l'air d'un drogué, d'un coqué, etc. Il y a des gens qui disent que je suis narco, enfin dealer, quoi. Ça, c'est Christian, vous voyez. Les rumeurs, ça va loin. Hein. Ça peut affecter même niveau travail. Hein, c'est bon. Puis ce blanc, c'est un blanc. Hein. Il y a pas mal de blancs ici, franchement, ils sont pas comme nous, hein, je vous dis déjà. Pas du tout. Hein. Faut pas se fier à la race. Mais bon, le mec, voilà, quoi. J'ai dû le bloquer parce qu'il a commencé à être très très mal poli, très offensif, très préjugé pas mal. Il y a un autre gars qui est allemand, 48 ans, Lyon du mois d'août, mais qui arrêtait pas de me dire ouais mais il est mormon le mec. Il me dit non mais il faut du boulot, il faut être hypocrite, c'est comme ça la société, etc. Et on est censé se parler aujourd'hui à 20h, j'y arriverai pas, 21h, et le mec il m'a bloqué. Alors je vais tout simplement partager ce que l'autre m'a dit. Il n'a peut-être pas vu que c'était marqué renvoyé, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il m'a blogué. J'en sais rien. Je trouve ça un peu bizarre. Venant de sa part. Mais bon, après, c'est un mormon. Je connais pas mal de mormons. Ils sont assez fauchetons, quoi. D'ailleurs, il y a même un youtubeur que je connais qui est pro-Pérou, qui est américain, qui est assez faucheton aussi. Ils sont comme ça. Je crois qu'il est. Il leur lave le cerveau, c'est une secte, hein, les mormons, donc voilà quoi. Enfin bref, pour vous dire que cette société elle est pleine de gens comme ça. Puis malheureusement, des fois ils sont pas faciles à détecter. Oui, la vérité de leurs actes, ça parle, bien sûr. Je vois déjà les commentaires, pour ça que je dis ça. Effectivement, voilà. Voilà, puis les haters, c'est des gens comme ça généralement. Là. Les haters que j'ai, les trolls, ils se reconnaîtront. C'est des gens comme ça. Bon allez, piche les gens. A plus. Oui, Anse.